dis-nous combien match football là lui-même l'a fini. Barcelone Villarreal, c'est deux équipes qui sont top 4 qui vont jouer. Quand on dit top 4, Barcelone c'est premier, c'est mettre causé à 15 points, bien que vous pouvez pas jouer, mais vous avez 15 points. En cas de victoire, vous avez passé à 18 points. Pour le moment, je dis nous, même les Barcelone perdu, il a toujours été premier. Pas qu'une équipe qui est capable de gagner 15 points dans le cadre de la 6e journée, même les automatiques 58 goals à 0. Donc, il y a une défaite qui a toujours été premier, il a gagné 15 points, mais Real Madrid a gagné un grand point en moins. Si vous faites un match nul, il y a sorti à 15, il y a passé à 16 points. Il y a toujours devant l'autre équipe. Yo. Mais qu'on a, si on fait victoire, c'est ça net. Si on fait victoire, il y a gagné 18 points. Pour le moment, qu'on doit connaître, Barcelone, c'est la seule équipe actuellement là qui gagne 17 goals, qui marque 17 goals. Et qui gagne plus mon goal différence. Donc, il marque 17, il prend 4, il gagne 13 goals. Et alors, différence goal, c'est plus 13. Et qui peut se Barcelone là toujours? Eh bien, équipe ça a forme dit nous, équipe ça a l'hypoco perdu point. 5 matchs, 5 victoires. A rappeler que équipe madrilène lui-même, équipe madrilène, il a joué 6 matchs, il fait 4 victoires, il fait 2 matchs nuls. Donc, Barcelone pas qu'on bagarre fait perdu point. Non seulement il n'a pas fait défaite, il n'a pas fait match nul. Équipe qui a perdu ensemble avec l'an, il y a Villarreal. Actuellement, la Villarreal 4e. Qui j'en bagay l'an yé? Jodi en la forme dit nous, Villarreal, si Villarreal perdu, il y a possibilité pour le perdu, on nous dit, eh bien, 4e place la passe 5e de ville perdu. Si Villarreal perdu, la perdu en place. Si Villarreal fait nul, l'a toujours été 4e si Atletico lui-même fait victoire. Mais si Atletico perdu, Villarreal fait nul, c'est Villarreal qui a passé 3e. Mais kounya, si Villarreal lui-même li bat pendant que l'équipe Atletico lui-même li fait nul ou bien perdu, c'est Villarreal qui a passé 3e, donc Atletico a perdu en place. Donc, il y a possibilité pour l'équipe Villarreal en cas de match nul ou bien victoire pour prendre en place la sortie 4e pour passer 3e. Qui le match là je l'a dit. Donc, moun qui Haïti avec moun qui en Dominicani, moun qui République Dominicaine yo, moun qui dans capitale République Dominicaine qui dans Santo Domingo, c'est pas la midi 30 match de football là lui-même il pas déroulé. Combien match a fini? Moun qui croit Villarreal bat écrit victoire Villarreal. Moun ki kwese Barcelone kap bat écrit victoire Barcelone. J'aime toujours faire ensemble avec nous. Moi toujours à regarder 10 dernières confrontations yo entre équipes yo. Barcelone avec Villarreal la saison dernière, yo te joué. Et saison ça encore équipe yo y a joué encore yo au rendez-vous. On nous regarder ensemble avec moi comment ça a été saison dernière entre Villarreal avec équipe qui est FC Barcelone. Barcelone joue deux matchs avec Villarreal saison dernière. Une dans la première partie saison 1, l'autre dans la deuxième partie saison 1. Premier match qui a été joué saison dernière, c'était dans le cadre de la troisième journée. Dans un match très compliqué, Barcelone a fait une victoire difficile 4-3 la CA équipe Villarreal dans l'estadio de la Ceramica. Et bien, c'était 27 août 2023. Barcelone a pris le bat Villarreal, la caille Villarreal. Nous rappelons, Robert Lewandowski, Ferland Torres, De Jong, Gavi. Le petit Gavi, il était là. Negio, tu as fait causer pour l'équipe FC Barcelone. Et puis, sortant de bien, tu as pris le bat 4-3
moi dis nous dans un match très compliqué avec Barcelone qui a dominé, c'est vrai, mais Villarreal qui est campé dans banc. Au match retour, la caille Barcelone, c'est bien Villarreal dit m'pas bien perdu. Villarreal dit m'pas bien perdu. D'ailleurs, dans la troisième journée, Barcelone peut être au cathédrale. Barcelone parle de la cathédrale, équipe qui religieuse, on a parlé de Barcelone, il passe le ticket, aller-retour. Eh bien, Villarreal dit, comme il a écrasé tout le monde après un bloc, Villarreal dit, bon, prend bloc. Il dit, je vais prendre un bloc, il prend 8 blocs. En deux matchs, il prend 8 blocs, il bat Barcelone et 8 à 4. Et il dit, bah, prend bloc tout. Ou pas, je me pose. La caille Barcelone, la caille Barcelone, vraiment, Barcelone a pris 5 à 3 dans l'équipe Villarreal. C'était 27 janvier 2024 dans l'Estadio Olympique Luis Companys. Dans la 22e journée, Barcelone a tombé très 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 lourd. La Kaili, bon petit crélé sur l'autre. Hein? Monsieur Kal Felobé, bien Gonzalo Guedes Kal Felobé également. Je l'autre, Moreno, Gérard Moreno Kal Felobé. Et bien, soit en dit, 5 à 3, Bitcoin Barcelone, c'était Gundogan Pedri. Et puis, il y a été marqué contre Kali. Donc, dans le match de football, ça forme, dit nous, Barcelone a pu se passer 70% de position ballon. Hein? 22 tirs, 10 cadrés. Villarreal, 9 tirs, 6 cadrés. Donc, à tout ça, Barcelone a perdu 5 à 3 contre l'équipe Villarreal. Donc, dernière fois, l'équipe ça a joué, c'était une victoire pour l'équipe Villarreal. Villarreal qui bat 5 à 3. Maintenant, 10 dernières confrontations, comment ça a été? 10 dernières confrontations, Villarreal fait victoire en 2022. Villarreal fait victoire en 2024. Après ça, pas de match nul, Barcelone fait victoire 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023, 2023, 2020, oui, 2023. Voilà. Donc, 10 dernières confrontations, yo. Ok, Villarreal fait 2 victoires, Barcelone lui-même, l'équipe Villarreal li bat li dans tout l'autre match. 8 victoires pour Barcelone. Ok, 8 victoires pour Barcelone. 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023, 2023. Voilà. Donc, dernière fois, vous jouez, c'est Villarreal qui est battu en 2024. Mais, ce que vous devez savoir, dans les 10 dernières confrontations, dans la victoire Barcelone, il y a 4-0, il y a 4-1, il y a 3-0. Dans 2 victoires Villarreal, vont 5 à 3. Vont 5 à 3 et l'autre victoire, c'était 2 goals à 0. Qu'est-ce qui favori pour Mathieu Blatty? Monsieur, actuellement là, Liga, nous connaissons Barcelone qui est une bonne équipe actuellement. Donc, pour début de saison, Barcelone, c'est sans faute. Son parcours sans faute jusqu'à moment où on a parlé. 5 matchs, 5 victoires qui sont différents avec l'équipe Villarreal là. Équipe Villarreal a joué 5 matchs, qui fait 3 victoires, qui fait 2 matchs nuls. Villarreal n'a pas perdu. Et faut me dire nous, actuellement là, il y a 4 équipes qui n'ont pas perdu dans la Liga. C'est Barcelone, c'est Real, c'est Atlético, c'est Villarreal qui n'ont pas perdu. Donc, équipe Sayo, bah, dit n'ont pas perdu point non. Équipe Sayo fait match nul déjà. Ok? Équipe Sayo fait match nul déjà. Mais il y a Poco, et alors, excepté Barcelone qui n'a pas fait nul. Qui bat tout match li, mais Real fait nul, Atletico fait nul, Villarreal fait nul. Match après joue à midi 30 pour Haïti, midi 30 pour République Dominicaine. J'aime dire nous, équipe Barcelone, nan, yon favori. Son match 55, 45, selon moi-même. Donc Villarreal pas facile pour Barcelone. Et Villarreal pas facile pour Barcelone, moi dis ça encore. Mais Barcelone, s'il a continué son même lancer, on croit que. Il y a pas d'équipe Villarreal. Même dit nous Villarreal, pas facile. Parce que nous n'avons pas lien. Il y a besoin de continuer à rester dans le top 4 là. Oui, Villarreal a besoin de continuer à rester dans le top 4 là. C'est ça qui fait une victoire extrêmement importante pour l'équipe Villarreal. Kounia, on garde ensemble avec moi quelques déclarations. On garde ensemble avec moi quelques petites déclarations.
qui pral important fanatique football fanatique Vladi cap gardé cap tande moi premier bagage que m'a dit nous toi que les antifliques là monsieur bon plan pour en dessous Fati à ne pas oublier guys le petit Fati il est de retour après un temps monsieur t'ai fait dans infirmerie toi que les Fati il est de retour dans l'équipe il est de retour dans l'effectif. Donc monsieur mon Facebook YouTube TikTok n'a pas like n'a pas partagé mon TikTok yo n'a pas tapoté pour la déconner guys on fait le connia n'a pas like n'a pas partagé n'a pas tapoté n'a fait tout bagay mon YouTube moi en pile l'info nous mon TikTok mon Facebook moi remet nous en pile guys pas jamais oublier mon Facebook yo il y a plus passer 400 monde sur Facebook là on beaucoup même gain 300 like yo c'est pas possible. Moi j'ai 2000 partages sur TikTok, bravo pour mon TikTok yo. Mon TikTok, nous t'es à 300 monde sur TikTok là, on a 230 konya. Bon bagay, nas 52 ki. On a le continuer et like, continuer tapoter. Mon yo di va di moi mes show. Bon comment on va gagner mes show? Présentateur nous bon, show nous belle, nous gain son gain image. Bon comment on va gagner mes show? Monsieur qui a parlé, monsieur qui a présenté show, on connait ça la faire. Bon comment on va comment pour show pas belle là men? So, tu as nous créé pour nous like, pour nous partager. Li. Eh pas jolé, bon. Eh pas jolé. Tu as pas nous parler pour nous, eh pas jolé. Monsieur Antiflic, monsieur, il y a un plan pour petit que les fatigues. Entendez qui ça, monsieur dit? Antiflic dit, j'espère que nous verrons sa meilleure version. Quand on revient de blessure, il faut s'adapter. Nous voulons lui donner l'opportunité de lui accorder des minutes car il en a besoin pour redevenir titulaire. C'est ça. Monsieur fait qu'on aime, je dis, cela peut nous aider beaucoup. Donc, Mr. Flick, technicien allemand cap dirigé Barcelone, monsieur fait qu'on aime, nous parlons, l'espérer est meilleur en diversion, en tout fatiguant. Je dis, c'est toujours normal. Là où sorti en bas blessure, eh bien, ou doit prendre petit temps pour adapter. Je dis, nous voulons baler et opportunité pour le capable joindre des minutes, pour le capable retourner en forme et pour le capable venir un élément important dans l'équipe. Donc, ça, c'était Mr. Flick qui t'a parlé. M'a parlé tout mon écrit Fatih pour moi. M'a parlé tout mon écrit Fatih pour moi. Le petit Fatih, donc, nous rappelons, son petit Messi chaudé, il y a eu le petit nouveau Messi. Je connais le nom de trois gros monsieur, donc son Messi chaudé. Et Fatih, je vais le bouger. Guéant Siflik, toujours en conférence, monsieur Tabral parlait, mais c'est défense Makhadi Tchegen, monsieur Tabral prend. Nous connaissons Makhadi Tchegen qui a joué un match pour la cathédrale dernièrement. Eh bien, en conférence, eh bien, c'est une en conférence, Makhadi Tchegen a pas joué de support anti-flic. On a regardé qui ça, monsieur lui-même dit. Et je fais qu'on est anti-flic a parlé. Je dis. En conférence, je dis, cela fait partie de notre style. Nos actions commencent souvent par Makhadi Tchegen. Les erreurs sont humaines. Il faut apprendre. Nous l'avons analysé. Ok? J'espère avoir donné des ordres clairs pour que cela n'arrive plus. J'espère que cela n'arrivera pas. Donc, je parle non seulement d'essayer de conscientiser, de l'essayer de prendre défense. Makhadi, elle dit, nous sommes humains, tout le monde est erreur. Elle dit, les erreurs sont humaines. Non? Eh bien, je dis, j'espère avoir donné des ordres clair pour que cela n'arrive plus. J'espère que
cela n'arrivera plus. Ou bien pas. Non, non, dernier. Et j'espère que cela n'arrivera pas. Donc, il dit, monsieur, Zami, pendant l'app, dit monsieur, il a fait, ouais, c'est mon nia, il dit, maman, attendez, le prochain papa, il va y aller, papa. A fait, ouais, il va y passer, il y a un nègre là, dans la tirale, l'autre, il va y passer pour le fouet. Il dit, et cadeau, vous, il va y aller. Gonek qui dit, ma qualité, je t'ai mérité à l'souban. Qui est-ce qui va le titulariser, Konya? En nous disant, t'as envie de mettre ma qualité, je t'ai gagné souvent. Partenaire, moi, je installe un volume sort pour Max Souli. Comment monsieur Rélé, il y a un comment Rélé? Il y a un non, oui. Vigol qui fait bon cathédrale, là, bon, non, monsieur. Il y a qui Peña? Peña. Ouais. Ouais, même, Gol qui fait Inter Miami, il y a bon qui, monsieur, calendrier. Bon, pas de calendrier pour monsieur. Pas de calendrier pour monsieur. Il y a qui Peña. Donc, malheureusement, si son dernier lité, j'ai un titan pour le faire, ou elle, même Jean Lounine. À part Lounine, il y a quelques titans, et Lounine fait, ou elle. Eh bien, Hansi Flick en conférence, il a parlé, il a causé, donc monsieur qui baille,